Le lieu sera bien défendu. Thank you.
Les senteurs du printemps sont dans l'air. Ça me rappelle Sparte. Tu aurais toi là-bas. Tu as une bonne âme. Aideras-tu un vieillard à s'acheter un repas? Tu en as plus besoin que moi. Tiens, prends. Un don généreux? Merci. Comment t'appelles-t-on, étrangère? Je suis la messagère de Zeus, mais tu peux m'appeler Cassandra. Et tu es ? Je suis un simple mendiant. Je suis venu en bateau de Perse pour voir la beauté du monde grec. Je sais faire beaucoup de choses, Perse, mais pas rendre la vue. Et je ne le voudrais pas. La cécité est un fardeau que m'ont imposé les dieux et j'entends le porter. Mais alors ? Sois mes yeux. Dans ma jeunesse, un Athénien m'a fait des récits magnifiques de vos contrées. J'adorerais les entendre à nouveau. Accepterais-tu d'aller voir les lieux que je n'ai pu voir, puis de venir me raconter tes aventures? Je n'ai pas de grand talent de conteuse, mais je serai tes yeux. J'avais bien perçu de la bonté en toi. Tu as rendu le bonheur à ce vieux Perse. Attends avant de me remercier. Quels endroits aurais-tu aimé voir? Ah! Mes récits préférés ont toujours été ceux de l'Acrocorinthe, des statues de Zeus et d'Athéna, du perchoir de l'oiseau en armure en Arcadia, et bien sûr, du mystérieux mont Aigétos. Je reviendrai te voir avec des histoires. S'il te plaît, reviens dès que tu auras vu un de ces lieux. Ce papyrus est très ancien. Serait-ce l'écriture de Thémistocle ? Oh!
Kéré, est-ce que tu as besoin d'aide? Ces chiens de bandits m'ont volé mon papyrus. Tu as une idée du prix de cette denrée, Mystios? Je n'ai pas de quoi en racheter, et les gardes ne font rien contre ces Malakès. Donc tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Tiens, prends. Maintenant que le chef Adenia est mort, je dois retourner voir Stentor. Cet endroit sera en alerte. Cerbère!
N'en fais pas, ce ne sera pas là. Ah!
souffrir. À mort! La voilà! Tu vas mourir! Je vais te tuer! Si je veux qu'on se souvienne de moi, il faut que je parte d'ici. Allez, Cassandra, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as emmenée voir les ruines d'Ulysse. Odessa, tu t'en souviens? Comment aurais-je oublié? Tu m'as dit de mener ma propre vie, sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Je comprends ton amertume. Tu aimerais voyager, et à la place, tu dois rester ici. C'est bon de se sentir comprise. Si ta vie ne te plaît pas, libre à toi d'agir. Pas avant que mon père soit rétabli. J'aurais besoin d'une ou deux choses. Tu pourrais peut-être m'aider? Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit être vraiment souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Reste auprès de ton père, je vais revenir avec les herbes et la décoction.
L'endroit est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Jusqu'à la mort!
Ah. Oh, a perfect este. Kéré, est-ce que je peux t'aider? J'ai un souci. J'ai peut-être un peu embelli la vérité pour obtenir un contrat de mercenaire. Pour être franche, c'est plus important que mes tâches habituelles. Jusqu'où as-tu embelli la vérité? J'ai dit au commandant spartiate que j'avais déjà coulé des flottes entières. Alors, il m'a chargé de m'occuper des pirates et des Athéniens. Et tu n'as jamais coulé un seul bateau, pas vrai? Une fois, si. Mais c'était le mien. Et j'étais dedans. Très bien, donc il faut que je coule la flotte athénienne. Oui. Ils doivent tous couler. C'est entendu, Mystios? Tu peux compter sur moi. Je te dois beaucoup. Je dois m'en aller. Je suis là pour la trine. Vous connaissez. Faites distance. Ah!
les herbes dont Odessa a besoin. Aïe. Que puis-je te proposer ? Ce marchand doit être celui dont a parlé Odessa. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. Les meilleures marchandises qui soient. J'ai même des choses pour les mercenaires comme toi. Odessa m'envoie. Oh, mais bien sûr, je l'adore. Et ça m'aurait fait plaisir de la voir. C'est pour son père, j'imagine. Donne-moi la somme et tu auras sa commande. Tiens, voilà. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera Odessa. Hop,
aller si vite. Peut-être qu'ils ont des indices sur eux. Ces hommes sont au service du dirigeant de Mégaris. Apparemment, Odessa leur a causé des ennuis. On convoite aussi le domaine de son père. Les herbes et la décoction n'ont rien? Tu les as, n'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer. Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? C'est à toi qu'on en voulait, à toi seul. Pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir. Sans avoir eu l'occasion de me faire un nom, tout le monde m'aurait oublié. Heureusement que je suis revenue à temps. Oui, heureusement. Et maintenant ? Les enjeux sont plus grands que ce que tu m'as laissé entendre. Je ne pensais pas que tu t'y trouverais mêlée. Mais maintenant que tu l'es, je peux te prouver que je suis la victime. Bien. Tu es prête à apprendre toute la vérité sur ces événements? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. Tant que tu chercheras à atteindre la gloire, ton nom restera dans les mémoires. Peut-être qu'on mentionnera aussi ton nom dans les chants qu'on écrira sur moi. Si on veut découvrir la vérité, il nous faut un indice. Et le message que tu as trouvé, celui du dirigeant de Mégaris, il prépare quelque chose. S'il existe une preuve qu'il t'en veut, elle sera chez lui. Je peux aller voir. Tu ferais ça pour moi? Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Je vais revenir avec la preuve, quelle qu'elle soit.
dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. C'est là. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Le dirigeant de Mégaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer. Par tous les moyens nécessaires. L'un des prétendants d'Odessa est mort mystérieusement peu après l'avoir rencontré. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir. Dirigeant de Mégaris convoque le domaine de Dessin. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ses lettres, un de ses prétendants a été tué sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. J'ignore encore si elles sont bonnes. J'ai trouvé deux preuves indiquant qu'on veut t'éliminer. Parfait. Et pour quelle raison? L'une d'elles est la richesse de ta famille, l'autre est liée à un mariage arrangé. Il y a maintenant de quoi prouver que je suis la victime. Tu as engagé d'autres mercenaires? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout? Avec tout ce que j'ai trouvé... Je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement. Je n'ai rien fait de mal. Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. Ne t'en fais pas. C'est pour bientôt. Je gâche ma vie en restant ici.
Il peut se passer beaucoup de choses en peu de temps. Crois-moi. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais rejoindre mon équipage? Eh bien, tu m'as toujours soutenu. Et ce serait agréable de partir d'ici. Excellente nouvelle. Et ton père? Il se sent beaucoup mieux, grâce à toi. Tu n'as pas peur, on s'attaque à lui? Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors je te souhaite la bienvenue à bord. Mieux vaut éviter de se faire voir. Alors, c'est à ça que ressemble la guerre. C'est différent de ce qu'on en dit.
Mes chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu ? Le chef athénien est mort. Mégaris est sur le point de tomber. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui, il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons, Cléo s'attend. Toi, tu lis dans mes pensées. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. D'accord, je suis prête. Suis-moi. Nous devons nous préparer en vue de la bataille. Oh. Parle-moi du loup. C'est un grand. Il mènera Sparte à la victoire contre les. Non, non. Dis-moi quel genre d'homme, quel genre de père il est. Il force l'admiration. Fort, bienveillant à sa manière. Et parfois, je... Oui ? Rien, mais... Son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Et j'y sens comme de la tristesse. C'est le chef militaire de Sparte. Mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Ça va être différent des combats auxquels j'ai pris part. Tu es prête à écraser les Athéniens ? Je suis prête à me battre. Leur lit, c'est net.
Le loup réclame la présence de la mercenaire. Annonce-lui que nous arrivons. Je regrette, mais il veut voir la mercenaire seule. Quoi ? J'ai dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne discute pas ses ordres. Très bien. Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Battu aujourd'hui. Faut une mercenaire. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Meurtrière ! La traîtresse ! Elle l'a tué ! Ainsi, c'est toi qui nous as apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héroïne, afin que je puisse t'accueillir en vraie guerrière. Kéré, père. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombée. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger mon frère. À ta place. L'oracle avait déclaré qu'Alexios devait mourir. Sa parole est sans appel. Tu le sais. Non, il est trop tard. Tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Je ne peux pas changer le passé, Cassandra. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Tu as trop longtemps fui le passé. Il est temps que tu paies pour ce que tu as fait.
Tu mérites mille fois la mort. Mais la vengeance n'a rien d'honorable. Tu dois affronter les fantômes du passé, père. Et c'est un sort bien pire que la mort. J'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger. Vous protéger. Je t'ai aimé autant que ton frère. Comme si tu étais à moi. Mais ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est une question que tu devras poser à ta mère. Attends. Retrouve ta mère. La retrouver ? Myrine ou qu'elle soit, on sait beaucoup plus que moi. Où vas-tu aller ? Chercher mon honneur. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Il faut que je parte d'ici. Je dois retourner voir Barnabas. Tu as besoin d'un coup de main ? Avec tous ces combats un peu partout, j'aurais cru plus facile de me faire engager comme mercenaire. Tu veux te faire engager par qui ? Athènes ? Sparte ? Peu importe. Les deux. Je m'en fiche. Tant qu'il y a de l'argent à gagner. Si ces armées perdent des hommes, elles auront un peu plus besoin de mercenaires. Alors, tu me demandes d'envoyer tous ces Athéniens aux enfers ? Oui. Alors, affaire conclue ? Oh, tu peux cesser de t'inquiéter. J'ai déjà arrangé ça. Tu es une vraie guerrière. Voilà pour toi. Ça ira.
Je vais devoir faire très attention par ici. La trêve ! Ta vie s'achève ici. Tu as besoin de mon aide, par hasard ? Ça te plaît, cette situation, pas vrai ? Quoi ? Tu joues les héroïnes pour les forces spartiates en Mégaris, et tu crois maintenant que tout est permis ? Quand je pense que la ville m'a commandé une statue de toi. J'ai fait ce qu'il fallait. Une statue est superflue. Avant que je me mette à créer une statue en ton honneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour le peuple. Une meute de loups harcèle mon village. Tu aimes jouer à l'héroïne ? Alors c'est l'occasion. Des loups, hein ? Oui, de vrais loups. Pas un spartiate imbu de lui-même avec un casque grotesque. Laisse-moi deviner, tu veux que j'aille tuer ces loups ? Oui, toutes ces bêtes doivent mourir. Tu peux compter sur moi. Tu me sauves. Laisse-moi m'en charger.
Allez, elle me dise mes dents mal. Tu es de retour? Tu les as tués? Je me suis occupée de ces problèmes, jusqu'au dernier. Tu es vraiment une grande guerrière. Prends ceci en remerciement. Je termine toujours ce que je commence. Ah!
D'accord. Je n'aime pas ça. Il y a un tueur brutal dans le garage. Nom de... La récompense, maintenant. Alors, faisons vite. Se montrer très vigilant. Mégaris, la ville des cochons. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Quel courage, Spartiate! Chargez! Jusqu'à la mort!
l'intention d'en tuer combien ? Kéré, tu as besoin des services d'une Mystios ? Toi, tu navigues avec Barnabas à bord de l'Adrestia. Comment le sais-tu, étranger ? J'ai navigué avec lui, moi aussi. Jusqu'à ce qu'un pirate m'enfonce une lame dans le dos. Maintenant, j'ai du mal à me tenir droit. C'est toi qui m'as remplacé. Je ne suis pour rien dans l'état de ton dos, ni dans la décision de Barnabas. Peut-être, mais maintenant, je ne pourrai jamais prendre la mer avec mon fils. Tu m'as tout pris. Alors à mon tour de tout te prendre. Alors, tu as tué ton père ? Beau père. Oh, j'imagine que les dieux pardonnent plus facilement un beau parricide. Nikolaos m'a élevé et formé. Il sera toujours mon père, même s'il a tenté de me tuer. Et c'est mieux ou c'est pire ? Peu importe, après tout. J'ai connu des familles bien plus compliquées que la tienne. Merci. Je suis contente de t'avoir avec moi, Barnabas. Et moi, je suis content d'être là. Tu as besoin d'autre chose ? Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Au moins, c'est ce que pensait Nikolaos. Parera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Où est-ce qu'on va, capitaine ? Dans l'immédiat, à Phokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent et une explication. Bien, Cassandra. Et profitons-en pour interroger la Pythie. Si quelqu'un a des réponses à t'offrir, c'est l'oracle de Delphes. Les prédictions de l'oracle ont détruit ma famille. La Pythie détient la sagesse d'Apollon en personne. En revanche, choisir d'ignorer ses dires, c'est courir au désastre. Si nous avions ignoré la Pythie, mon frère serait toujours en vie. Et ma mère, en sûreté chez nous. Au travail, alors. Tu sais où trouver Elpenor, j'imagine ? Il vit au débarcadère des pèlerins. Mais la dernière chose que Nikolaos m'a dite a été de me méfier des serpents dans les herbes. Je crois que tu ferais bien de te préparer avec soin. C'est surtout à Elpenor de se préparer. Retrouve-moi au temple d'Apollon, à Delphes, quand tu en auras fini avec tes serpents. Elpenor va devoir s'expliquer.